La candidate numéro 6. Miss Cameroun. Miss Cameroun. Miss candidate numéro 12. Bonsoir et bienvenue sur la Jordan Secret TV, Jordan Balocoque, votre humble serviteur. Alors chers amis, ce soir je vous invite à nous suivre pour le débriefing de l'édition première 2016 de Miss Cameroun Suisse avec tout le staff présent. Ils sont là et l'honorable présence de notre Miss Suisse Cameroun, Caroline Nseke. C'est tout de suite sur la Jordan Secret TV, le débriefing de Miss Cass 2016. Je suis une diaspora camerounaise et j'estime que c'est important pour moi que la diaspora se soutienne. Plus que lequel, il n'y a pas. C'est la fille qui a dit, on ne barre pas les gros camères comme ça. Voilà. Rectification, on ne quitte pas une Camerounaise comme ça. Vous savez les gars camerounais là, vous avez les foutaises. On doit vous régler comme les horloges. Sur Miss Cameroun, la première édition à Genève. Watching Jordan Secret TV, don't change the channels. Chers amis, vous êtes nombreux à avoir suivi l'édition 2016 de Miss Cameroun ici à Genève au Palladium. Vous avez été nombreux à nous donner vos avis, vous avez été nombreux à vouloir savoir la suite de cette belle édition. Donc c'est pour ça que nous avons invité le comité Miss Cameroun Suisse à venir sur le plateau de la Jordan Secret TV, donc accompagné bien sûr de la Miss Cameroun en question. Elle est là, ils ont accepté cette invitation et ils vont répondre à nos questions, à vos questions. Bien avant de commencer, je vais d'abord passer la parole pour dire un bonjour et qu'ils vous transmettent aussi leur bonjour. Caroline, Miss Cameroun, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bien sûr. Bien, bien, bien. La présidente. Bonjour, Jordan. Tout va bien? Tout va très, très bien. Très, très bien. Bien, oui. À sa gauche, je sais pas si elle est trésorière. Elle est aux finances, hein, tu sais. Non, pas. Alors, Sandrine, administratif. Voilà. Voilà, c'est elle qui gère l'administratif. Sandrine. Salut, bien? Jordan, et puis toi. Très bien, très bien. La médiatrice. Salut à tous. Comment tu vas? Super, ça super. Va. Ouais. Le chef de projet, le fondateur, le créateur de cette belle initiative, cette belle idée, Angelo. Angelo, comment va Angelo? Bonsoir cher public, bonsoir Jordan, merci pour cette invitation, c'est un honneur pour moi d'être avec le comité sur la Jordan Secret TV et je vais très bien, merci beaucoup. Parfait, alors on va
comme il y a assez de participants à cette émission, on va aller droit au but, on va poser les questions qu'il faut déjà pour savoir comment se porte Miss Cameroun en général, comment ça se passe avec, après cette élection. Tout va bien jusqu'à présent pour Miss Cameroun? Tout va très bien. C'est vrai que on a été surpris par rapport à l'avant, l'après, que ce soit le résultat et tout ce qui a suivi. Donc on a pris le temps de voir les choses, on s'est reposé, on a voyagé et on est d'attaque pour se remettre au travail. Mais je pense que tout le comité est d'accord sur ce point. Parfait. Donc, voilà. Vous aurez le temps de nous donner votre plan d'action tout à l'heure. Autant pour moi de me retourner vers la Miss Cameroun. Caroline, portez cette couronne. Comment vous sentez avec cette couronne? Tout d'abord, je me sens honorée. Et puis, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis le début, en particulier mon public et ma famille. Parfait. La présidente. Oui. Vous avez une idée comment ça se passe l'après Miss Cameroun 2016? Alors, l'après Miss Cameroun 2016, on va dire, ça a été assez agité parce qu'on a été très surpris par plusieurs événements. Et voilà, on a pris le temps de se reposer, on a pris le temps d'observer et puis de réagir. Et on est là aujourd'hui pour ça, donc on se relève. La médiatrice, oui. J'aimerais savoir, déjà vous présentez votre prénom? Suzanne. Oui. Suzanne, vous êtes médiatrice, c'est-à-dire pour gérer votre rôle, c'est quoi exactement? Alors, mon rôle exactement, en fait, je suis... Pendant toute la préparation, j'étais en binôme avec Jean, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, notre rôle à nous, c'était un peu d'essayer de régler tout ce qui était conflit, que ce soit entre les Miss ou même au sein du comité, essayer d'arrondir les angles et trouver un meilleur moyen de communiquer, d'avancer tous ensemble sans trop... sans trop se taper dessus. Voilà, on aura besoin de votre avis tout à l'heure, car juste après l'élection Miss Cameroun, il y a eu beaucoup de mots qui ont circulé sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous saluons déjà comme ça le président du jury, Russell Henning, depuis Bruxelles. Nous saluons Ruby, la comédienne, qui nous a fait part de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Salutations à toi, Ruby. On en parlera ici, certainement, ce soir. Et puis, Caroline, on revient vers la Miss. Hein. Caroline, est-ce que, à ce jour, vous avez déjà représenté la beauté camerounaise en Suisse depuis votre sac? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? C'est vrai que c'est court le temps, hein. C'est un mois, deux mois, mais jusque-là, est-ce que vous avez été sollicité à différents endroits? Alors, il faut rappeler que j'ai été élue il y a peu de temps, le 8 octobre. Pour le moment, je soutiens la fondation Mbolo, oui, qui a pour but de venir en aide aux enfants au Cameroun et au Pérou. Et je suis en collaboration étroite avec d'autres associations dont je ne pourrais pas encore définir le nom actuellement, parce que ça reste secret. Et sinon, tout se passe bien. Tout se passe bien. Oui. Parfait. Donc, le travail a commencé. Le travail a commencé. Le travail a commencé. On dort. On dort plus. Alors, Yannick, comment vous trouvez ce début d'activité, ce début de mandat de Caroline? Alors, je trouve que tout se passe bien. Comme elle a dit, on a plein de propositions pour travailler avec, on est agréablement surpris. La Miss est sollicitée. Malheureusement, à chaque fois, on ne peut pas toujours répondre présent parce qu'elle est étudiante, on a des étudiants dans le comité, il y a le travail. Mais on essaye de plus en plus de mettre un agenda en place. La présidente, la responsable administrative, on travaille tous en binôme pour essayer de mettre un programme pour que la Miss, justement, puisse représenter valorablement la diaspora camerounaise dans les événements en Suisse ou en dehors de la Suisse, bien évidemment. D'accord. La présidente, par rapport aux activités de la Miss en question, la question que je me pose déjà, est-ce que vous avez la confirmation qu'elle va représenter, elle va être présentée à Miss Cameroun au Cameroun? Oui, on a la confirmation effectivement qu'elle sera présente au mois de juillet au Cameroun pour représenter la Suisse. Il y a eu une première discussion avec Madame Amoukou,
qui est la présidente du comité Miss Cameroun officiel. Donc oui, effectivement, notre Miss sera bien présente parmi les candidates à l'élection 2017. Caroline, vous êtes prête à relever ce défi au Cameroun, à Yaoundé? Physiquement, oui, et puis mentalement, je me prépare encore. D'accord, c'est bien. Et on vous souhaite bonne chance. Merci. Représentez bien la Suisse, représentez-nous valablement là-bas. Donc, Miss Cameroun 2017, voici notre candidate, la candidate de la Suisse, c'est Caroline. Et on espère que vous allez pouvoir apprécier tout son charme, toute cette beauté. Voilà. Je viens vers la responsable de l'administratif, hein, oui. Par rapport au programme de la Miss en question. Vous savez, c'est un concours de beauté, mais aussi, c'est aussi un business. Hein. Il faut faire rentrer de l'argent. C'est ça. Est-ce que vous avez un plan d'action par rapport à ça? Comment comptez-vous rentabiliser ça? Parce que vous êtes une équipe de jeunes. Comment vous comptez assurer ces voyages, ces tenues? Parce qu'il faut bien habiller. Bah oui, on a signé des partenariats avec beaucoup de... On a des partenaires en fait, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent pour habiller la mise, pour ses sorties, pour toujours qu'elle soit très belle. Déjà elle est très belle naturellement, mais il faut rajouter un petit peu d'artifice. Mais on a signé des partenaires, on a des partenariats qui nous suivent toujours en fait. Les contrats sont signés jusqu'à, on ne sait pas encore. Et puis pour l'argent, on a un jeune comité en fait, et puis c'est vrai qu'on fait une cotisation en fait. Donc on met de l'argent souvent de nos poches pour pouvoir assurer notre mise, pour que tout se passe bien, qu'elle ne manque de rien. Donc pour le moment ça se passe bien. Et puis s'il y a d'autres partenaires qui veulent venir nous solliciter, ils peuvent aller directement chez Miss Cameroun, notre page Facebook ou bien sur Gmail, nous envoyer un email. Ça sera toujours avec plaisir. Mais pour le moment ça se passe super bien. On se débrouille assez bien en fait. C'est votre avis, Antilo? Oui, bien sûr. Là, je rejoins le point de vue de la responsable administrative. C'est qu'on a mis des stratégies en place pour permettre que ce soit avant l'élection et pour le règne de la Miss, pour que les choses puissent se passer comme il faut. On a cette cotisation, on travaille en binôme, on fait de notre mieux. Et je rejoins son point de vue par rapport à l'appel. On a besoin des sponsors, on a besoin des partenaires. Donc pour que ce show, pour que cette aventure soit encore plus belle, c'est clair que, comme elle a dit, n'hésitez pas à nous joindre et à rejoindre l'aventure parce qu'elle est belle. C'est une belle aventure. Donc, vous allez entendre, c'est une équipe très jeune qui a besoin de soutien, qui a besoin de partenaires pour booster leur action. Leur action ne se limite pas qu'au niveau de la beauté, parce qu'il y a des actions à faire sur le terrain. Tout ce qui est bien, tout ce qu'il y a de positif dans la diaspora, n'hésitez pas à vous joindre, à aller frapper à la porte et leur apporter votre soutien. Donc la Jordan Secret TV se charge déjà d'être là, aux côtés de ces jeunes. Je salue comme ça le MKC20 qui aussi a confirmé son soutien. Et d'ailleurs là, je tiens à dire quelques mots. Mario et tout son staff, si tu nous regardes, quand tu nous regarderas, merci pour tout l'apport que tu as apporté. D'ailleurs, on l'a relayé sur les pages, on l'a dit, mais là, on a l'occasion de le témoigner en vidéo. Pour moi, ça reste le partenaire numéro un des MISCA pour cette première édition par rapport à tout l'apport qu'il nous a apporté, tout le soutien logistique, administratif et bien évidemment les cadeaux pour la Miss. Que la Miss a reçu par rapport à OMKC. Donc, merci beaucoup. Merci d'être parmi nous en espérant que notre collaboration soit fructueuse et longue. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous ceux qui ont donc participé à la réalisation de ce projet de la jeunesse camerounaise, de la beauté camerounaise. Donc, tout le staff qui n'est pas ici présent, je pense que vous les remerciez encore. Oui. Photographes, les coachs, les présentateurs. Les hôtesses. Voilà. C'était une superbe équipe. Les présentateurs, une ambiance. Tout le monde. Voilà. Et aussi à toutes les jeunes filles qui ont participé. Bien évidemment. Toutes ces candidats qui ont participé.
c'est déjà bravo et nous invitons, je pense vous inviter aussi pour la prochaine édition, maximum de filles. Alors, bien sûr, inscrivez-vous, on vous attend, avec un plaisir. C'est une élection qui apporte toujours un plus. Hein. C'est dommage que certaines n'ont pas peut-être compris cela. J'aimerais venir vers la médiatrice. Après cette élection, on a vu Denise, au lieu de se féliciter d'avoir participé, elles étaient plutôt très, très énervées de n'avoir pas pu gagner cette couronne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est un comportement tout à fait humain, on va dire. Oui. Parce qu'elles ont toutes participé à cette élection dans le but d'être élues la Miss. Et certaines d'entre elles, après l'élection, n'ont pas supporté la victoire de Caroline parce que Caroline a été élue, elles n'ont pas été. Donc c'est normal de se dire, oui, ça aurait dû être moi, ça aurait pu être moi. Après, je pense que Caroline ne doit pas prendre certaines critiques personnellement, elle doit juste vraiment penser à son année, comment elle va faire pour bien la rentabiliser et avancer au niveau personnel et comment elle va faire pour aboutir à son projet. Puis tous les mauvais commentaires, enfin, vraiment, faut pas s'en occuper. C'est vrai qu'il y a eu des commentaires qui étaient un peu trop poussés de la part des candidates. Je pense qu'il y a eu un post même de Ruby, la comédienne, qui a peut-être été la goutte d'eau, qui a fait l'étincelle. Je vais dire un mot. Moi, je vais essayer de répondre. Malheureusement, Ruby a, pour moi, n'a pas bien fait son travail, vu qu'elle avait un contrat avec nous. Avec vous, oui. Certainement, nous n'étions pas avec eux lors des délibérations. Ruby aurait dû au moins voir d'abord le comité, nous dire ce qui s'était passé, et ensuite on allait réagir. Mais malheureusement, on s'est retrouvé le lendemain de l'élection avec une vidéo qu'on ne pouvait pas expliquer en fait ce qui s'était passé. Il a fallu attendre une semaine pour pouvoir vraiment mettre des mots sur ce qu'on voyait parce qu'on ne comprenait pas en fait, même le comité ne comprenait même pas ce qui se passait. Et malheureusement, on ne pouvait pas répondre aux filles parce que derrière, il y avait des questions, est-ce qu'il y a eu tricherie par rapport à ce que Ruby avait dit. Mais en prenant du recul, si on écoute Ruby, elle ne parle pas de tricherie. Elle ne parle pas de tricherie, elle parle du comportement du président du jury, qui pour elle n'était pas bien en fait. Mais on n'entend pas Ruby dire que la Miss a été élue d'une façon trichée. Donc malheureusement, les filles ont compris ce qu'elles voulaient entendre sur le moment. La défaite n'est pas facile, on comprend tout à fait. Hein. Oui. Mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de prendre les propos de Ruby et de les retourner en criant scandale. On a même vu des articles qui sont sortis que notre gala était complètement truqué, que dès la base, on connaissait la Miss. Franchement, j'ai envie de répondre, si je connaissais la Miss dès le départ, je n'allais pas m'investir autant. Ouais. Personne, c'est ça. Voilà, personne. Je pense que personne. Ça sert à quoi de se donner à 100% si on sait déjà qui va gagner? J'ai envie de répondre aux filles, désolée pour votre défaite. Je pense que j'avais déjà parlé avec elles. Je les ai félicitées, j'ai dit que j'étais fière d'elles parce qu'elles se sont toutes battues. Pour moi, elles méritaient toutes de gagner. Mais c'est Caroline qui a gagné, on est très contentes. Mais qu'elles ne prennent pas ça très très mal parce qu'il semblerait qu'elles vont faire une mauvaise pub pour la deuxième édition. Si elles le font, c'est dommage pour elles. C'est très très dommage pour elles. Ça veut dire qu'elles n'ont pas compris en fait l'esprit du comité, n'ont pas compris ce qu'on essaie de mettre en avant. C'est qu'elles rentrent en arrière comme les éditions précédentes qu'on a eues, que ça fait 2 mois, ça s'est cassé la gueule. Malheureusement, nous on va aller plus loin. Heureusement, je vous l'ai dit, nous on va aller plus loin avec ou sans elles. Mais on les invite toutes, hein. Elles peuvent toutes entrer dans l'association, leurs idées sont les bienvenues. Et puis on espère qu'elles vont soutenir notre Miss, parce que nous, on le fait et on va soutenir notre Miss jusqu'au bout. Parfait. Voilà. Et puis je pense que au lieu de tout gâcher, ce travail que vous avez fourni, vous devez le mettre à profit. Hein. Déjà, votre expérience. Ça compte pour l'évolution de ce projet de Miss Cameroun, mais vous ne devez pas vous écarter, vous devez rester dans le groupe, apporter votre expérience pour les prochaines éditions et pourquoi pas soutenir Caroline qui a été élue votre Miss, qui était votre amie et je pense qu'il est toujours. Caroline, malgré toutes ces écrits qui ont été peut-être un peu choquants,
Vous sentez comment? Vous avez réagi comment avec tout ça? Au début, c'était très difficile, ça je vais l'avouer, parce que je me suis attachée à toutes les filles. J'ai créé des liens forts, mais je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je surpasse cette histoire. Je ne comprenais pas pourquoi certains me critiquaient, certaines qui ont partagé mon quotidien. Mais c'est la vie. Il fallait une Miss. Et je l'ai été. Voilà. Et je le suis. Et nous vous l'accordons, vous êtes très très belle, vous nous représentez très très bien. Voilà, nous sommes encore fiers de la voir aujourd'hui. Elle s'illumine encore de plus en plus. Hein. Voilà, c'est ça. Bravo donc à ce comité, à cette élection. On est donc fiers de cette élection. Pour continuer, on va prendre une petite pause publicitaire et on vous retrouve tout de suite. Merci! Merci. Si tu m'aimes pour mon compte en banque, ça c'est l'intérêt. Un jour la banque peut faire faillite. L'amour s'en ira. Le 11 février à Dijon. Toi tu m'aimes parce que je sais chanter. Ça c'est l'intérêt. Salut. C'est Spo de Bains, le président de la République de l'Ambiance. Je suis là pour confirmer ma présence le 11 février à Dijon. 11 février à Dijon. 11 février à Dijon. Pour la grande soirée de Nolo. La soirée de l'amour, n'est-ce pas? Allez, c'est le 11 février à Dijon, je serai là. Venez nombreux, c'est une soirée VIP. Voilà, nous retrouvons donc notre plateau avec nos invités. Ils viennent du comité Miss Cameroun, la jeunesse camerounaise de Suisse, qui est reçue et qui est là ce soir. Angelo, il est connu dans l'organisation des soirées, mais cette fois-ci, il a un projet. Il est dans ce projet qui est tout à fait spécial. Est-ce qu'Angelo peut nous parler exactement qu'est-ce qu'il y a dans le fond de Miss Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Alors, j'aimerais d'abord dire que Miska, c'est une famille, c'est que l'idée, certes, à la base, venait de moi, mais que chaque membre du comité a tellement travaillé d'arrache-pied, donc c'est notre bébé à tous. C'est vrai qu'il faut un président, il faut un chef de projet, il faut une responsable administrative, mais c'est notre bébé à tous. Ça, il faut déjà que la diaspora le sache, c'est très important. Maintenant, le fondamental de Miska, à la base, c'était de promouvoir la femme camerounaise qui entreprend et la jeunesse africaine. Si je tiens à préciser ce point, c'est parce que quand on a eu à travailler, on a eu des coachs, des personnes qui ont collaboré cette année qui étaient d'autres origines et qu'on nous a dit, mais pourquoi telle n'est pas camerounaise? L'autre but, c'est de promouvoir la jeunesse africaine. Et on est fiers d'être camerounais. Parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. D'accord. Donc voilà, ça c'est... Il y a ce point. Maintenant, par rapport au projet et par rapport à Miska, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'année, on se prépare pour un gala, pour élire la reine de beauté. C'est l'une de nos missions. Mais derrière, nous avons des projets que nous soutenons, que nous développons pour le bien de l'association. Parce que c'est une association légale. Et la présidente peut nous parler de ses projets. C'est quoi comme projet? Les projets de la Miss ou de l'association? De l'association ou de la Miss? Alors, nos projets, on a comme... actuellement, en fait, il y aura pas mal de membres du comité qui seront au Cameroun. Et on a décidé de venir en aide à deux orphelinats. Précisément... Bravo. Merci. À Edea et à Yaoundé. Ces choix et pourquoi aider, parce que c'est ma ville natale et puis je pense que ça serait une bonne chose de venir en aide. On a voulu être accompagné de la Miss, mais malheureusement elle ne pourra pas être avec nous. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est le projet Miskas. Donc c'est un projet qui permettra de venir en aide à une femme qui a un projet viable. Donc une femme comment au Cameroun? Au Cameroun, oui, ça sera au Cameroun. On va lancer le projet, on va lancer le, ça sera un concours. Elles vont nous proposer des projets
plusieurs projets. Et le comité va se concerter pour décider qui mérite le plus de remporter ce prix. D'accord. Et donc, à la fin, on organisera un gala au Cameroun pour remettre ce prix. Mais ça sera dans les mois ou les années à venir. Il faut qu'on soit d'abord assez stable pour mettre ça en place. Mais pour l'instant, voilà, on essaye d'aider au mieux, comme on peut. Et d'aider à la mise, bien sûr, à réaliser son projet personnel. Parfait. C'est un planning quand même assez chargé, oui. Sans compter le planning de la mise aussi à côté, qui a pas mal d'invitations pour des shootings, pour des événements à Bruxelles, à Paris, à Milan, etc. Donc, effectivement, ça va être assez chargé. Et puis, bien sûr, j'espère qu'elle en aura d'autres, parce que c'est aussi le but que la diaspora se développe, s'agrandisse, et voilà, qu'on puisse aussi découvrir la Suisse. D'accord. Bien, bien, bien. Actuellement, à l'actualité, on a une grosse émulsion entre la Miss Cameroun nationale et le Comica. On espère que les choses vont bien se terminer. Nous saluons comme ça Julie, notre Miss. Salutations à toi Julie. Et vraiment, beaucoup de courage, travaille bien et vraiment, reste respectueuse envers le Comica. Et Madame Amourou aussi, nous te saluons. Et courage à vous pour ce beau projet de Miss Cameroun. Quant à nous ici en Suisse, j'aimerais savoir si Caroline a déjà tourné le dos ou Miss Cass. Comment ça se passe? Là, il y a eu des éclats avec le comité. Est-ce que la Miss est encore gérable? Ça, c'est à la responsable administrative de répondre, celle qui rédige les contrats. C'est à moi de répondre, oui. Non, on a laissé la question à la Miss. Non, la Miss doit répondre. Comment vous parlez encore? Oui. La communication, elle est assez fluide. Donc, on se parle. Vous entendez bien. Est-ce que je peux la gestionner le contrat? Pensez qu'elle est toujours dans les normes. Si, si, elle est toujours dans les normes. Comme je disais, elle le sait, elle a signé un contrat. Mm-hmm. Et ce contrat nous lie à elle et elle est liée à nous. Donc, mm-hmm. Tant qu'elle. Pour moi, elle le respecte. Donc, il n'y avait pas à dire tant qu'elle le respecte. Je ne pense pas qu'elle n'a pas encore. Pour le moment. Elle le respecte très bien. Très bien. Je pense qu'elle a très bien lu, parce qu'en plus elle fait les cours de droit, donc je pense que de ce côté-là, elle-même elle est très, elle est un peu comme moi. Mm-hmm. Donc le contrat, elle sait bien, elle a bien lu, elle a signé, elle sait ce qu'elle a signé, et puis on n'a pas de souci à se faire pour le moment, que ce soit du côté du comité ou bien du côté de la Miss, elle peut nous reprocher des choses, hein. Mm-hmm. C'est des deux côtés. Mais il me semble que pour le moment, tout le monde fait bien son boulot. Vous avez dit qu'elle a fait le droit? Je fais du droit économique. Elle fait du droit économique. Elle peut être imbattable. Mais c'est ça, mais le problème, c'est même pas un problème, c'est vu qu'elle fait le droit économique, heureusement qu'on est dans un pays de droit, je dis souvent. S'il faut à ce moment-là, on lit tous la constitution suisse, on connaît tous un petit peu. Et mm-hmm. S'il faut sortir des articles à ce moment-là, peut-être qu'elle va me battre, mais. J'en doute vraiment. Parce que, disons que en travaillant déjà, on côtoie déjà un petit peu le monde du travail et puis le monde des contrats. Donc, peut-être qu'elle va me battre. On reste sur le peut-être. Pour le moment, je me défends. Alors, donc, ça va. Caroline, le plan, le planning, ça se passe bien? Vous pensez respecter, vous pensez mener à bien ce mandat? Alors, si on sait ce qu'on veut et où on va, normalement, il n'y a pas raison pour qu'on capote notre contrat ou notre association. Donc, pour le moment, tout va bien et je compte avancer avec eux. Il faudrait rappeler que c'est un comité jeune. Et j'arrive aussi à m'identifier à travers chacun d'eux. Peut-être c'est ça l'avantage et l'atout, et surtout le respect des valeurs de Miska. Parfait. Vous avez parlé de la fondation du Brel Mbolo, c'est un jeune ancien Camerounais devenu suisse. Merci Mbolo d'être parti, d'avoir laissé la natte. Voilà. Donc merci quand même de penser à ces orphelins.
Nous te saluons, Noé Mbolo, jeune international suisse et qui a beaucoup d'avenir, qui est donc très très proche de notre Miss. Voilà, c'est ça la jeunesse camerounaise en Suisse. Et j'aimerais aussi, en tant que membre du comité du collectif des Camerounais vivant en Suisse, qui était récemment au Cameroun, féliciter Miss Cass d'avoir participé aussi à cette action en faveur des victimes des Zika. C'est vrai qu'on aurait, voulu bien se retrouver avec notre Miss Zika pour donner un peu d'espoir à ces accidentés. Mais voilà, merci. Hein. Ça reste possible. Hein, oui, surtout que l'action continue. L'action continue parce que les victimes sont là, c'est qu'on est victime à vie. On espère que vous allez nous prêter la Miss une fois. On peut négocier. Mais ça, c'est avec plaisir. C'est même pas négocier à ce moment-là. C'est avec plaisir parce que. C'est la Miss des Camerounais, voilà. C'est la Miss de la diaspora, c'est la Miss de tout le monde. Donc, c'est. Tout simplement la dynamique camerounaise en Suisse, hein. Nous sommes là pour essayer de mettre en relief tout ce qui se passe, tout ce qui est dynamique, tout ce qui œuvre dans la jeunesse. Toutes ces personnes-là, nous aimerons les mettre en relief pour les valoriser, les encourager à aller de l'avant pour un avenir meilleur pour Cameroun, la diaspora camerounaise. Je suis très très ravi d'avoir eu ces personnes. Un mot pour la fin, il y a quelqu'un qui veut... C'est déjà pas la fin, on vient de commencer. Il y a tellement de choses à dire par rapport à Miska, par rapport au projet. Ça serait un petit peu très simple. Je pense que, pour ma part, j'espère que chaque membre du comité va s'exprimer après moi. Pour les prémices, je tenais d'abord à remercier tous ceux qui nous ont soutenus. C'est très très important de les rappeler. Nous avons eu des partenaires, nous avons eu des hommes et des femmes de l'ombre qui nous ont appuyés, conseillés. Il faut savoir que c'était notre première, on ne savait pas où on allait. On a certes des titres, des postes, des présidents, responsables administratifs. On le fait dans les entreprises qu'on travaille. Mais quand il s'agit de valoriser un pays, ça reste autre chose. Donc, on compte sur vous pour l'indulgence par rapport à... tout ce qui s'est passé par rapport au retard qu'on a pris pour le début du gala. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on travaille pour éviter pour la prochaine fois. Un message encore plus poussé pour celles qui ont participé. Je vais reprendre les mots de Sandrine, ça reste un concours de beauté. Il y a une Miss qui est élue, il y a les Dauphines. On avait 13, 14 finalistes, il y avait 20 filles au départ. C'est clair que sur les 20 filles, il fallait qu'une Miss sorte du lot, ça reste le jeu. Mais la Miss Cameroun actuelle, c'était sa deuxième participation. Je tiens juste à souligner ce point. Elle a participé l'année d'avant, elle n'a pas gagné. Elle a eu le courage de se réinscrire cette année et elle a gagné. Donc ça prouve qu'avec la volonté, en laissant la fierté, en restant campé sur ses objectifs, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Le comité s'engage à s'améliorer, on s'engage à s'ouvrir, on s'engage à beaucoup travailler pour que l'année prochaine, le gala soit une réussite. On s'engage en sorte que la Miss elle ait un règne et nous espérons qu'il va marquer ses esprits. Donc c'est dans ce cas... que nous sommes ouverts au dialogue et que si des personnes ont des idées, des suggestions, comme Sandrine l'a dit, il y a notre mail, il y a le Facebook, il suffit juste de nous faire un mail, de nous avoir, on accepte volontiers des meetings, on accepte volontiers de rencontrer des gens, d'apprendre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est l'image d'un pays. Il s'agit du Cameroun, il s'agit de l'Afrique, il s'agit de sa diaspora, il s'agit de sa jeunesse, et c'est ensemble qu'on arrivera à faire des bonnes choses, des belles choses. C'est sur ce point que je tenais à préciser et j'espère que mes... Ça sera un peu difficile, hein, de... Mais non. C'est exactement ce que j'allais dire. Il a tout dit, mais moi, ça sera plutôt... Je vais plutôt parler de l'édition prochaine. Wow. Donc, s'il y a des... Donc, il y aura une deuxième édition. Je croyais que c'était fini. Ça non.
continue. Elle nous a donné le scoop. C'est pas fini dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Amen. Amen. Donc il y a 2017. Donc pour la prochaine édition, donc, si certaines filles voulaient s'inscrire et que avec certains commentaires elles ont pu être découragées, moi tout ce que j'ai à dire c'est que vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes camerounaise, vous avez envie que votre projet soit mis en avant, eh ben Miss Cameroun 2017, voilà. Vous avez une idée sur les dates? Alors on est encore... Pas encore, mais vous saurez tout soudain sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, voilà. Ça sera mis en temps et en heure voulue. Voilà. Amen. Sandrine qui annule les contrats. Qui remet les contrats. Les contrats en route. Bon, Yannick a tout dit. Alors moi je sais pas, je vais juste peut-être parler du jury. Ça sera... différent parce que cette année on s'est retrouvé avec un jury qu'on n'a pas pu digérer. Malheureusement on n'a pas pu gérer ce jury, c'était peut-être l'expérience ou bien parce qu'on n'a pas, on a trop fait confiance, voilà, je veux dire, mais on peut vous promettre, on peut vous garantir que cette fois-ci le jury sera mieux choisi. Hein. Et on ne va plus aller à l'étranger. J'estime qu'on a des entrepreneurs, des gens qui travaillent, que ce soit camerounais, comme on a dit, qu'on veut promouvoir la jeunesse africaine, qui sont en Suisse, qui peuvent nous représenter en tant que jury. Donc notre jury viendra que de la Suisse cette fois-ci. On va éviter de payer les billets d'avion, de... Les chambres d'hôtel, les îles. Ils vont venir tenir un langage qu'on ne comprend pas. Exactement. Ici, la néerlandaise. Voilà. Voilà, les scandales. Mais cela ne veut pas dire que le jury qui venait de l'étranger n'était pas bon. Hein. Je veux juste dire qu'on n'a pas pu les gérer. Hein. Ouais. Mais notre jury viendra de la Suisse. Ça ne sera pas nos mamans, ni nos papas, ni nos frères. Je tiens à vous rassurer aussi. Pour éviter la tricherie, ça ne sera pas notre famille. Mais le jury, ce sera vraiment un jury composé. Ce que nous, on va choisir, en fait. Je veux dire qu'on connaîtra, nous, déjà, le jury. Ouais. On ne pourra pas lire après coup que c'était le président ou c'était la... Non, on ne va pas lire quelque chose comme ça. Donc, inscrivez-vous, on vous attend. Vous êtes jeune, belle, dynamique et surtout, vous êtes intelligente. Vous voulez représenter le Cameroun comme nous, on essaye de représenter le Cameroun. Inscrivez-vous. Et surtout, avoir une bon esprit d'équipe, en fait. Ouais. C'est un concours. Mais ce qui me déçoit, en fait, c'est la fin du concours. On s'était vus ensemble, manger ensemble. Malheureusement, c'est fini un peu, voilà, ça se termine un peu poissons. Que de poisson. Non, je ne veux pas ça pour la deuxième édition. Je veux qu'on danse ensemble, que ça se termine très très bien. Je vais maintenant laisser la parole à la présidente. Justement, avant de passer la parole à la présidente, on n'a pas dansé ensemble. Non. On n'a pas dansé, il n'y a pas eu d'after party. Oui, oui. On parle peut-être des scoops à la fin. On a des scoops pour la Jordan Secret TV à la fin. D'accord. La présidente d'abord. La présidente veut vous parler de ça. Alors, je pense que tout a été dit. Chacun doit dire un peu ce que je voulais dire. Concernant la danse, la musique, etc., on tient à s'excuser parce que je sais que nous savons que beaucoup de personnes attendaient justement le moment de pouvoir danser avec les Miss, faire des photos. Et aussi, je voulais m'excuser auprès des Miss parce qu'elles n'ont pas pu profiter de la soirée. Elles n'ont pas pu faire des photos, elles n'ont pas pu se détendre. Donc, je tenais à m'excuser par rapport à ça. Et on fera mieux l'année prochaine. Bien sûr, il y aura un moment pour danser. Et le scoop, c'est qu'on va faire une after party. Qui aura lieu tout bientôt. On est en train de préparer cela. Donc, il y aura les Miss, les accompagnateurs et bien sûr, toute personne qui veut venir se joindre à nous pour faire la fête pourra évidemment bien sûr venir danser. Jordan, tu es invité. Bien sûr. Je serai là. Je voulais aussi profiter pour féliciter toutes les Miss parce que j'avais très peur le jour J. Car il y avait beaucoup d'entre elles qui paraissaient pas prêtes, qui paraissaient ailleurs.
Et elles ont tout donné sur scène, elles ont cartonné, on a pu voir sur les vidéos. J'étais émue et très 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 fière d'elles, même si voilà, il y a eu quelques couacs, j'étais très fière d'elles. Et puis voilà, bravo les filles, vraiment bravo. Et puis j'invite toutes celles qui veulent s'inscrire à s'inscrire, parce que c'est une très belle expérience. J'ai participé à des concours de beauté, Suzanne a participé à des concours de beauté, donc on sait ce que c'est. C'est toujours difficile quand on perd, parce qu'on attend toujours de gagner, on veut toujours gagner, tout le monde veut gagner. Mais c'est une très belle expérience, donc j'invite tout le monde à participer, à s'inscrire. Et tous ceux qui veulent être partenaires, sponsors, marins, parraines, décorateurs, décoratrices, tout, vous êtes les bienvenus. Donc merci, merci à toi de nous avoir accueillis sur ton plateau. Avec plaisir, votre présence m'honore surtout. Et surtout la présence de la, la plus belle Camerounaise de Suisse, Caroline. Caroline. Alors, juste un clin d'œil sur ce qui se passe à Bamenda actuellement. Donc, je tiens à soutenir mes frères et en espérant que l'ordre sera remis sur pied. Et Cameroun au bosso. Ouais. Bon, les miss, elles ne parlent pas beaucoup. Les belles femmes ne parlent jamais. Elle a tout dit, elle a vraiment fait un bon clin d'œil à Bamenda, à ce que l'ordre revienne dans notre cher et beau pays. Comme on a dit, il est un et indivisible. Voilà, tous derrière ce slogan, le Cameroun reste un et indivisible. Voilà. Miss Cameroun était donc sur le plateau de la Jordan Secret TV. Oui. Tu as encore quelque chose à dire? Tu veux encore un scoop? Encore un scoop? Voilà, il y a un joker. Il y a un joker qui se prépare, les gars. Alors, pour un dernier scoop, on va partager avec les téléspectateurs de la Jordan Secret TV. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est beaucoup dans le comité MISCA à œuvrer dans l'entrepreneuriat. Donc, on a décidé d'organiser des colloques tout au long de l'année. Ce sera des petits, qui sait, peut-être des grands. Donc, on est en train de préparer un premier colloque et c'est sous le rassemblement et comment créer un réseau. Donc, les informations arrivent gentiment ou comment lieu et date. Mais cette année, en parallèle avec la nouvelle élection, comme Suzy l'a annoncé, l'agenda de la Miss, comme la présidente et la responsable administrative l'ont annoncé, nous allons organiser des colloques pour rassembler la jeunesse camerounaise parce que ça reste notre but premier. Tous derrière le Cameroun. Voilà, les autres scoops, on ne peut pas dire. On ne peut pas. Donc, nous remercions encore vraiment tous les membres du jury qui avaient fait le déplacement. Chantal a ici, on te remercie de nous avoir ratifié votre présence. Sophie Aïda, merci. Rudy, merci. Lucel M, merci. Le styliste. Sans oublier le comité de Miss Cameroun Italie, Donatien Wandi, merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien. Et vous, le grand public suisse, sans oublier toutes les mamans suisses que nous avons, que vous avez envoyé vos filles, n'hésitez pas à les renvoyer pour l'année prochaine. Voilà. Donc, c'était Miss Cameroun sur la Jordan Secret TV. Je suis Jordan Balocoque. On remercie aussi notre coach Stella. Ah oui. Toutes nos excuses, parce que. C'est très important. Pour son travail, pour son soutien, pour tout ce qu'elle nous a apporté et ce qu'elle a apporté aux filles. Et aussi, on s'excuse pour ce qu'elle a vécu, car ça a été très difficile pour elle la soirée. Oui. La soirée de Miss Cass, parce que de par son origine et du fait qu'elle faisait partie de l'organisation, voilà, elle a eu beaucoup de peine à être intégrée parmi le jury, donc qui était typiquement camerounais. Exactement, voilà. Elle était la seule étrangère. Justement, c'est pour ça qu'on a insisté sur le fait qu'on voulait promouvoir la culture africaine, la jeunesse africaine. Et ceci n'a pas été respecté, ou alors les gens n'ont pas compris ce message. Ouais. Donc voilà, elle a beaucoup travaillé. Elle a fait un très très bon boulot, d'ailleurs vous avez pu voir ceux qui étaient sur place, vous avez pu voir les vidéos, donc merci et un grand bravo à Stella. On te fait plein de bisous d'ailleurs. Voilà. Bisous à toi Stella, bisous à toi Stella. L'envie est prince.
sans oublier celui qui nous immortalise, Prince, qui rend les gens immortels. Oh, merci Prince, beaucoup. Prince, shot. On va aussi Prince, remercier l'équipe de la production derrière. Bah oui. Parce que Jordan Secret TV a couvert l'événement, mais avant, les teasers ont été réalisés en collaboration entre Priceless et Kilo Films, qui a été très présent pendant l'événement. Merci également à Sylvester L'Essentiel. On est dans le bon. Qui est né du Congo, qui nous a apporté notre touche congolaise. Voilà. Merci donc à toi, Sylvester L'Essentiel. Carly Ayala, qui a rejoint l'aventure. Carly Ayala, bien sûr, un styliste, designer très connu, qui a rejoint l'aventure un peu à la fin, qui nous a aussi beaucoup apporté son aide. George Altman, qui est notre photographe officiel cette année. L'édition 2016. Mm-hmm. Donc on remercie toute l'équipe. Oui, Georges. Qui a fait des très très belles photos de Miss, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Shooting officiel, maillot de bain dans une villa. Ouais. Alors voilà, on remercie vraiment toute l'équipe. Ouais. Et un grand merci à Patricia, qui nous a vraiment aidés. Ah oui. Elle a été coordinatrice durant la soirée, elle a géré le temps, etc. Merci à Sandrine qui a géré les hôtesses. C'est vrai. Elle est dans l'administration, mais elle a aussi géré les hôtesses. Elle est aussi hôtesse, mannequin, modèle. Big up à moi. Alors merci à toute l'équipe. Sans oublier ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Jean Calvin. Charles. Beaucoup de gens, comme je l'ai dit, ont travaillé. Mackenzie, qui a maquillé les filles avec l'aide de... Avec l'aide de Bolassi. Voilà, tout à fait. Qui l'a accompagnée justement lors de cette séance maquillage le jour J, qui a été d'une très grande aide. C'est une jeune artiste make-up qui se débrouille très très bien. Elle nous a été d'une très grande aide. Et les accompagnateurs, bien sûr. Voilà. Ils sont tellement nombreux. Qui ont fait un show. On va se souvenir de tout le monde. Voilà. Présentateurs et présentatrices. Exactement. Donc merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Ça a été un plaisir. Et pourquoi Miss, vous comptez élargir à Mister Cameroun? No comment. No comment, c'était une question. Voilà. Ne nous dispersons pas. Jordan, si on pique nos idées. Voilà, nous en arrivons donc au terme de cette rencontre débriefing avec Miss Cass, le comité Miss Cameroun Suisse. Était donc sur le plateau de la Jordan Secret TV avec Jordan Balcock. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur nos ondes. Restez connectés. Sachez une chose, si tu ne passes pas sur la Jordan Secret TV, c'est que tu n'existes plus. C'est pas les dames, là. Alors venez. Si vous avez un souci, appelez-nous, contactez-nous. Oui, on sera là pour faciliter votre accès à la parole ici en Suisse. Et pour tout résumer, Miss Cameroun est ouverte à vous. Venez, contactez-les. Ce sont des jeunes, ils ont besoin de votre soutien. Apportez-les votre soutien. Ne restez pas, n'hésitez pas. Frappez à la porte sur Facebook, écrivez, ils seront là. Votre aide est la bienvenue. Je suis Jordan Balcock, Miss Cameroun est à côté de moi. Et la présidente Fali est là. Sandrine est là. Suzanne est là, Angelo est là, et moi je fais...